Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cet entretien que nous réalisons en direct de Nyiragongo. Nous sommes partis en tout cas rencontrer M. Nzilamba qui est l'un des cadres de la société civile. Vous savez, Nyiragongo c'est proche de Goma et d'ailleurs c'est à quelques 10 mètres comme ça s'il faut le préciser. Alors Nzilamba, bonjour et bonne arrivée. Bonjour. Ce matin nous revenons sur en tout cas cette question qui reste d'actualité, c'est par rapport à l'agression s'il faut préciser comme ça. D'ailleurs le gouvernement congolais qui a d'ailleurs pointé du doigt le Rwanda. Dites-nous, quelles sont les informations que vous disposez ce matin? Il faut rappeler que nous sommes le vendredi. Quelles sont les dernières informations que vous avez, vous en tant que fils de cette province, fils de ce territoire? Votre territoire a été attaqué par le M23. Il faut dire que les informations à notre possession de ce matin font état d'un retrait de certains combattants du M23 le long de la route et ils se cacheraient dans des champs d'eucalyptus au niveau de Kingarame. Et même ce matin, on venait de nous informer qu'il y a un jeune homme qui a été tué par ces éléments du M23 à Kibumba toujours. C'est le sol congolais? Oui, c'est sur le sol congolais. À Kingarame, c'est la position qu'ils avaient attaquée avant-hier. Vous estimez que c'est à quelques mètres de Goma? Bon, c'est à peu près 25-26 km. 25 km, oui. C'est proche de Goma. Oui, c'est proche de Goma. C'est là où les éléments M23 sont présentement. Oui, c'est là où ils se retrouvent, 25 à 27 km de Goma. Alors, nos militaires aussi se trouvent à quelques mètres de ces hors-la-loi. Nous pensons que dans les heures qui suivent, l'armée organise encore des contre-offensives pour bouter hors d'état de nuire l'ennemi qui a été même humilié hier à Rumangabo jusqu'à fuir. Bien frappé, je l'ai appris. Hein. Bien bâti en tout cas, bien contourné et tapé sur le plan tactique. Donc l'ennemi a puisé une leçon de la guerre hier à Rumangabo de la part de nos forces armées. L'ennemi a commencé à peaufiner des fausses allégations, accuser les FARDC d'utiliser des miliciens et consorts. Non, ce sont des allégations qu'il est en train de démonter. Des allégations farfelues. L'ennemi a été humilié, il est connu, bien détaillé. Et d'ailleurs, nous pensons que les Rwandais pouvaient laisser de se cacher derrière les M23. Il fallait s'afficher directement. Mais c'est là, parlons de cette question, c'est quand même ça fait polémique sur les réseaux sociaux. Bien que les Rwandais continuent à nier, mais nous apprenons qu'il y a les deux d'ailleurs qui se tiennent au Rwanda, parce qu'il y a les familles là qui pleurent, les leurs. Tu vois, en RDC. Non, il faut dire que le monde est devenu un village. Ils croient qu'ils sont dans un monde qui est encore isolé. Non, il y a l'internet, il y a tout. Donc, on est capable de recevoir des informations de partout. Donc, ils ont subi la rigueur de la force de frappe parce que, tout simplement, ils voulaient croire qu'il faut venir jouer au Congo. Donc, notre problème, c'est de dire on ne nous réjouissons pas parce qu'il y a des morts. Mais c'est le regret profond de voir des individus accepter d'être malmenés par d'autres pour se faire tuer afin qu'ils défendent les intérêts inavoués. Quel peut être vraiment le motif valable que le Rwanda agresse le Congo aujourd'hui? Le Congo a laissé au Rwanda la latitude d'entrer sur son sol et de chercher ces gens-là qu'ils disent oh, sont des génocidaires qui se cachent au Congo. Deux fois d'ailleurs, l'armée rwandaise s'est retrouvée au Congo. Et eux-mêmes avaient dit il ne reste que quelques résidus des 300, 600 qui n'ont plus rien de force pour nous embêter. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent ici? Pourquoi nous revenons sur les aspects d'analyse des conflits ici à l'est du pays? Et nous disons les causes profondes de cette guerre que le Rwanda mène avec ses alliés, c'est d'abord la recherche de l'identité pour certains citoyens qui veulent se camoufler, être des Congolais par force. De deux, ils recherchent des terres parce que le Rwanda n'a pas de terres. C'est un petit pays d'ailleurs comme le territoire de Walikale. Ils cherchent des terres arabes avec une terre rouge. Une terre rouge, Rwanda. Oui,
fruit, une terre rouge au Rwanda, ça peut produire quoi? Non. C'est pour ils utilisent les matières, les engrais chimiques. Voilà. Donc ils cherchent la terre arable pour des fourrages et pour leurs bêtes parce qu'ils sont éleveurs. Alors pour ça, ils nous agressent. Troisième cause, ils viennent ici pour chercher les ressources naturelles parce qu'ils n'ont rien sur leur sous-sol. Ils se font valoir sur l'échiquier mondial, oh, premier producteur du coltan. Quel coltan? Ils ont ça où? Quel gisement? Non. Moi, je crois qu'ils ne doivent plus rester en train de se... Venez sincèrement, venez nous dire, nous sommes pauvres. Nous sommes pauvres, voyons comment vous pouvez nous aider à partager ensemble le peu que vous avez pour nous maintenir aussi en survie, au lieu de venir avec des armes. Mais ils vont tuer tout le Congolais? Non. Moi je pense qu'ils sont 16 millions, nous sommes 80 millions. Si nous marchons, nous allons là-bas. Ils vont s'en sortir? Non. Je crois qu'ils doivent quitter cette logique. Et nous sommes en train de dire encore, quatrième cause qui les amène ici, oui, c'est la recherche de pouvoir. Vous voyez ces aventuriers du M23 étaient en train de dire, oh, intégrez-nous dans l'armée, dans la police, dans l'administration. Pour dominer les Congolais. Non, oui. Ça non, ça c'est fini. Nous avons dit au chef de l'État, fini, match fini avec de tels agissements, oh, répondre aux caprices des miliciens. Non. Et le secrétaire d'Assemblée a écouté? Non, il a écouté, il avait dit ça au musée, nous n'allons plus intégrer le chef de l'État, tu sais. Effectivement. Et il doit respecter cette parole. Il doit nous respecter, nous, peuple congolais. Pas question des aventuriers pour venir encore perturber le bon fonctionnement de l'armée, de la police et même de l'administration. Nous-mêmes, nous fragilisons en intégrant des gens comme ça. Qui n'ont pas... À un certain moment, ils quittent encore l'armée, ils rentrent en brousse. Oh, non, nous rentrons chez nous. Les autres étaient en train de quitter l'armée, c'est à Massissi, ouais, pour rentrer chez eux, c'est à Minembo, c'est où, pour aller. Ils disent qu'ils partent défendre leurs frères. Ça, c'est quel genre d'armée? C'est quel genre d'armée? Non, parce que nous devons maintenant poursuivre le processus de la réforme des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police et même de la justice et de l'administration. Monsieur Nzilamba, revenons sur la question du Rwanda. C'est vraiment dommage qu'on apprenne que les familles sont en deuil, organisent des deuils à Kigali et d'autres à Gisenyi. C'est vrai, vous l'avez dit, on ne peut pas se réjouir lorsqu'il y a des morts. Mais on sait bien que les gens de M23 ont toujours dit qu'ils sont congolais, que c'est une rébellion congolaise, et que du coup on apprenne quand il y a des affrontements sur le sol congolais, et après ce sont les deuils qui se tiennent à Kigali ou à Gisenyi. Comment expliquer cela? Non, il faut le dire vrai. En tout cas, les Congolais peuvent représenter 2%. Dans ces mouvements. Donc, d'ailleurs, ça existe encore. Non, d'ailleurs, moi aussi, c'est le même questionnement. Ils ne vieillissent pas, ils ne tombent pas malades. Oui. Ah, non, ils sont bêtons ou quoi? Non, ils ne doivent pas quand même nous tromper. Les quelques 6 personnes qui avaient fouillé en Ouganda et au Rwanda, ils continuent encore à déranger, sinon. Ils doivent nous dire la vérité. D'ailleurs, il y a des rumeurs qu'il y a même des Somaliens, Érythréens qu'on intègre, et même des terroristes qu'on intègre dedans. Et d'ailleurs, des populations étaient en train de nous alerter que parmi ces gens-là, il y avait même des blancs. Avec la peau de oui, non. En matière arabe. On les a identifiés là-bas. Donc, ils sont en train de prendre partout, même en enfer. Ils vont venir même avec Satan. Mais à notre niveau, c'est dire. Les pays voisins. Là, vous voulez dire citer les. Les pays de la CIRGL, de la région, d'accord, devaient surveiller le mouvement de leurs jeunes pour qu'on ne les amène pas ici pour être la chair au canon. Parce que l'armée congolaise ne va pas leur pardonner. Ça frappe. Donc, ça doit frapper pour que. Sans pitié. Parce que. On comprend. Effectivement, dès que vous avez traversé ma frontière sans mon autorisation, vous devenez déjà agresseur. Mais ils passent où concrètement? Parce qu'ils ne viennent pas avec les hélicoptères ou bien les avions pour atterrir sur les sols. Ils passent où concrètement? Bon, il faut dire aussi, il faut fustiger aussi ici chez nous, et la porosité des frontières. Et ça, nos voisins ont voulu ça, que nos frontières restent poreuses. Vous voulez dire les. Les Rwandais. Ils veulent que les frontières restent poreuses parce qu'ils s'en servent. Alors, pour faire passer même les minéraux frauduleusement, ils s'en servent aussi. Donc c'est une technique qu'ils ont utilisée. Ils ont aussi jonglé avec quelques infiltrés au sein de notre appareil sécuritaire, bon, pour leur laisser cette magouille là. Mais pour nous aujourd'hui, c'est dire
nous devons nous liguer. Hein? Nous soutenons l'appel du commissaire provincial de la police nationale congolaise au Nord Kivu. Mais ça a été fissé par les porte-parole du gouvernement congolais. Non, il n'est pas ici, il est à Kinshasa. C'est-à-dire quoi? C'est lui. Il ne connaît pas la réalité d'ici. C'est quoi la réalité? La réalité d'ici est que nous sommes agressés, nous sommes tués chaque jour. Est-ce qu'il voit comment on décapite nos frères Abeni? Lui, il est dans des bureaux. Effectivement, vous l'avez affirmé, il est dans des bureaux, il est en train de faire l'aventure à Kinshasa, il ne connaît pas ce qui se passe ici. Est-ce qu'il connaît la souffrance des militaires? Comment les gens fuient, se déplacent avec enfant, bébé. Bébé à la main. Oui. D'autres qui ont raté l'examen d'État. On vous dit aujourd'hui, à ce moment même, on vient de piller tout le matériel du centre de santé Kingarami. Bon. Finalement, lui, il veut qu'on défende le territoire comment? L'article 63 de la Constitution nous donne les devoirs et les droits. D'ailleurs, c'est un article total. Tu dis, tout citoyen a les droits et les devoirs de protéger l'intégrité du territoire national. Alors, lui, Bouyaya, si lui n'a pas ses devoirs, là, il n'est pas congolais, qu'il reste à Kinshasa calme, qu'il nous laisse nous défendre notre territoire national. Et du coup, ça fait polémique, sa réaction. On voit les internautes qui ne lâchent pas, qui prennent sa photo. Je ne sais pas s'il aurait fait une photo avec Kagame, je ne sais pas, pour tenter de diaboliser, vous comprenez. Mais pendant que le général, le commissaire divisionnaire joint, donc le commandant de la peine, c'est en or qu'il voit, fait l'appel, quand il a appelé une guerre pour populaire, du coup, en tout cas, ça fait trop de polémiques sur la toile. Non, écoutez, en Ukraine, on l'a fait. Qu'est-ce que Mouyaya a dit? Parce que lui, il se veut être citoyen, respectueux, de quoi. Ça arrive dans tous les états du monde. Quand les états sont agressés, il faut recourir à leurs citoyens. Nous sommes la première richesse de ces pays. C'est nous qui devons défendre ces pays. Alors, quand le commissaire provincial, étant qu'un militaire bien formé, un académicien militaire bien formé, il maîtrise bien les enjeux et il a toutes les informations à sa possession, il dit à ce moment, il faut telle tactique. Est-ce que vous savez que cet appel-là, simple appel du commissaire provincial, a bloqué une machine machiavélique qui voulait faire l'assaut criminel sur la ville de Goma? Parce qu'ils ont aussi, là c'est terrible. Ils ont arrêté jusqu'à ce moment. M23. Effectivement. Et que donc il a bien déjoué communicationnellement et même tactiquement les aventures du M23 sur la ville de Goma. Mais Mouyaya, il surgit comme si c'est Rwandais aussi, on ne sait pas. Il surgit, oh non, nous l'avons, on doit le rappeler à l'ordre. Mouyaya a combattu où? Il a subi la guerre où? C'est un ancien journaliste. Un journaliste, même pas un reporter de guerre, même un reporter de Rutshuru est plus fort que Patrick Mouyaya. Parce que Mouyaya ne connaît pas la réalité du Nord Kivu. Ça c'est faux quand même. Hein? Oui, ça je vous dis. C'est dire ça. Même un reporter de Kibirizi est plus fort que Patrick Mouyaya. Financier, l'un des anciens meilleurs journalistes au pays. Hein? Meilleur journaliste. Voyez comment ressemble la RTNC, c'est lui qui est le patron, non? Voyez comment ressemble la RTNC. Revenons s'il vous plaît sur le sujet principal. On est le vendredi encore au petit matin. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut craindre? Est-ce qu'il y a à craindre encore ici à Goma? Non, nous ne l'allons pas craindre. Oui. C'est-à-dire à la population de rester calme, en tout cas de rester vigilante et de communiquer à chaque instant aux forces de sécurité tous les mouvements suspects. Parce qu'il y a des individus aussi suspects qui seraient infiltrés dans la ville pour essayer de communiquer avec ces aventuriers-là. Oh non, tel mouvement, non. Restez calme, vaquez à vos occupations et surveillez tout celui qui est à côté de vous, c'est qui. Et s'il est suspect, signalez directement au service de sécurité, on va l'appréhender et il est là, on ouf pour ne pas nuire à la sécurité collective. Donc, en tout cas, c'est dire à la population de rester calme et de travailler. Nous autres, on est là en train de relayer toutes les informations qu'on est en train de trouver. On les envoie à qui des droits pour essayer de nous rassurer qu'on contrôle la sécurité de notre ville et même de toute la province. Parce que nous travaillons sur toute l'étendue de la province. Donc, même partout à Rutshuru, ils sont en train d'envoyer des informations. On y travaille. Donc c'est ça le patriotisme, c'est ça aimer le pays. Donc moi je pense que l'effort qu'on donnera à ce pays, c'est de le maintenir uni et que les générations qui vont venir vont dire ces gens se sont battus contre des plans machiavéliques qui ont été montés dans des officines étrangères et mis pour exécution à la disposition des gens qui se font appeler à M23 alors que c'est un État qui communique à travers et qui agit à travers. Alors, mais M. Zélamba, en tout cas, nous vous voyons et une société civile
civile, proche de la population, proche également des autorités de l'armée. Vous communiquez à tout moment. Et c'est comme si vous aviez été même avec l'armée toute la soirée au niveau de Nyiragongo où il y a des positions FARDC. Comment se comporte sur les lignes de front FARDC? Je vous dis, hier, la société civile, à travers sa thématique genre, hein, les femmes du Nord Kivu ont offert un cadeau, hein, aux militaires. Mais si. Vous n'avez pas confié la paix à cette grande événement? Non, non, vous savez que c'est sur les lignes de front. Oui. Il faut quand même garder certains secrets de combat. Et nous sommes allés là comme des fils et filles dignes patriotes de ce pays. Nous avons remis le cadeau des femmes aux militaires. Et les militaires sont vraiment aux aguets. Ils ont été joyeux cette soirée-là. Nous sommes sortis là tard dans la soirée. Ils étaient là aguerris. Ils ont dit, nous allons vous défendre. Les cadeaux étaient constitués de quoi et quoi? Il y avait de l'eau, de l'eau minérale, il y avait du jus lourd et léger. Des vivres. Oui, des vivres. Oui. Il y avait aussi des biscuits. Il y avait beaucoup de choses. Hein. Les lots là, il y avait beaucoup de choses qu'on ne peut pas même détailler ici. Parce que les kalakala et les longues oreilles sont là en train d'attendre, oui, et vouloir savoir les secrets qu'il y avait dedans. Nous avons rendu visite même aux militaires malades à l'hôpital, mm-hmm, pour voir leur situation et compatir avec eux. Donc, les militaires n'est pas une personne particulière, ce sont des gens qui viennent de nous, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, mais qui disent, bon, comme Justin Kabumba a choisi d'être journaliste, moi je veux être militaire défenseur de l'intégrité du territoire national. Donc ce sont nos frères, nous devons être en communion, en symbiose et en bonne relation avec eux, parce qu'ils travaillent à notre compte et nous bénéficions de leur travail. C'est pourquoi nous sommes allés là-bas. En tout cas, les militaires, le moral est au zénith, ouais, et ils sont prêts à défendre l'intégrité territoriale. Et je crois que si les M23 vont oser encore faire un pas, ils vont encore sentir. Alors, pour finir, comme Tando l'a fait de cet entretien, quel message que vous pouvez lancer, premièrement, au chef de l'État, qui est le commandant suprême, deuxièmement, à nos vaillants militaires qui se battent jour et nuit pour défendre ces pays, comme vous l'avez également souligné, mais aussi, pour finir, à la population congolaise? Non, il faut dire d'abord qu'au chef de l'État, c'est de lui demander de cesser d'être hypocrite avec nos amis rwandais. Oui, donc il doit lui dire la vérité, que c'est toi qui me provoque, que c'est toi qui agresse mon peuple, qui malmène mon peuple du Nord Kivu. Et tu dois cesser, parce que nous resterons voisins. Ce n'est pas nous qui... Ce n'est pas Kagame qui a voulu que le Rwanda soit voisin au Congo. Ce n'est pas Félix qui a voulu que la RDC soit voisin au Rwanda. Donc ils doivent laisser le peuple vivre en paix et non créer des astuces pour servir des intérêts des aventuriers européens, consorts occidentaux là. Donc il doit lui dire franc, c'est toi qui me provoques et cesse avec cette habitude. Il doit aussi, le président de la République a cette obligation en tant que commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, augmenter la logistique et les effectifs des militaires ici au Nord Kivu. C'est une urgence. Il doit aussi travailler pour poursuivre la réforme de l'armée et de la police et même du secteur de la justice pour que nous puissions nous rassurer que nous sommes en train de lutter contre cette insécurité sur tous les volets. Dans les renseignements. Oui, bon, dans les renseignements, on s'efforce maintenant un peu, mais en tout cas, il doit aussi voir, oui, il doit aussi travailler encore pour rendre plus efficace notre système de renseignement. Il y a aussi ce qu'il peut faire aussi, c'est en tout cas acheter de nouveaux matériels comme tenues, hein, bottines et suppléments d'habillement. Oui, et suppléments d'habillement militaire. Donc ça, on en a besoin. Vous savez que le pays a plusieurs saisons, dans plusieurs zones. Ici, les militaires à Nyiragongo sont en train d'opérer. C'est une zone qui a beaucoup de froid et où la pluie ne manque pas. Donc il faut beaucoup, en tout cas, des jaquettes avec qui ont des tissus coton qui doivent les aider quand même à la chaleur afin de garder la température du corps. Donc tout ça, ce sont des choses qui doivent en tout cas mettre en place rapidement pour nos militaires, mais aussi lever l'état de siège. Il doit lever l'état de siège. Vous savez que l'état de siège nous bloque. À l'époque de Mamadou, c'est la population qui était déjà en mouvement pour bloquer certaines machines de l'ennemi. Mais à ce moment même, l'état de siège, c'est un carcan qui nous bloque. On est en train de travailler, mais état limité sur certaines questions. Donc il doit lever l'état de siège, ce n'est pas une solution. Le message pour notre armée à la population. Non, il faut dire à l'armée courage. Hein, notre armée se bat très bien. On a une armée forte.
très forte. Je vous dis, si cette armée était dans les mêmes conditions que l'armée américaine, nous allions prendre même tout le continent africain. Et ça deviendrait le Congo. En tout cas, courageux, je vous dis, je viens militaire qui s'est échappé de la captivité de M23. Hier. Mais courageux et souriant, avec une blessure, mais courageux et souriant. Je n'ai jamais vu déjà comme ça. En tout cas, courage à nos militaires. Nous sommes derrière eux, nous sommes en train de nous mobiliser. Donc, on mobilise tout pour qu'ils soient dans de bonnes conditions, aux lignes de front et battre l'ennemi. Nous prions aussi pour eux. La population. En tout cas, la population doit s'unir et soutenir cette armée et respecter toutes les consignes que les autorités policières et militaires nous donnent. Nous devons les respecter et les appliquer. Surveiller les frontières, ceux qui habitent Birere, les autres Bujovu, à Montage jusqu'à Kibumba, nous devons aller surveiller les frontières parce que signaler à tout moment les mouvements suspects. Aussi dans nos quartiers, nous devons cesser d'abord nos conflits de limites de parcelles. À ce moment, nous avons une guerre d'un ennemi qui vient de loin. Nous devons nous unir d'abord, on tape l'ennemi et puis nous revenons sur nos conflits après. Donc en tout cas, nous appelons notre population à soutenir l'armée. Cotisez-vous, amenez de l'eau, amenez à manger aux militaires. Ce sont nos militaires parce qu'il en va de la sécurité du pays et de notre propre sécurité. Merci beaucoup. C'est par ce message de soutien, l'appel à soutenir les FARDC que nous mettons fin à cet entretien. Merci beaucoup, Placide Nzilamba, d'avoir répondu à notre invitation. Certainement, on s'est déplacé pour vous suivre ici dans les Nyiragongo où se passent les affrontements, bien sûr, à quelques mètres. Nos informations sur place, nos sources renseignent qu'en tout cas, qu'il y a des avancées significatives à registrer sur les terrains côté FARDC. Merci beaucoup, Nzilamba, d'avoir répondu à nos quelques questions. C'est à moi de vous remercier et d'appeler aussi la MONUSCO à emboîter les pas rapidement parce qu'on les a vus déjà sur le terrain en train d'appeler les FARDC. C'est ce que nous avons besoin, c'est ce que nous avons demandé même à la communautale, que cette MONUSCO travaille maintenant. Les casques bleus ne doivent pas être quitter le Congo avec des armes qui n'ont pas tiré. Ils doivent combattre aussi aux côtés des FARDC. Et rentrer avec leurs armes pour toujours neuves. Non, en tout cas, ça c'est regrettable. Quelqu'un vient, il finit son mandat avec son arme qui n'a jamais tiré même une balle. Non, je crois qu'ils doivent en tout cas entrer en danse pour que nous puissions mettre hors d'état de nuire l'ennemi et nous rassurer qu'ils ont amené la paix au Congo et non ce qu'ils disent sur papier aux protections des civils. Merci beaucoup fait de cet entretien. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Abonnez-vous également sur notre chaîne. Vous pouvez nous laisser vos recommandations et partager également cette interview. On vous fixe rendez-vous dans les prochaines heures pour la suite parce que nous poursuivons avec des interviews, parce que nous suivons en tout cas de près et de loin la situation à Rutshuru et à Nyiragongo. Nous vous disons bye bye.